Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, écoutez, je vais nickel. On se retrouve vers une nouvelle vidéo. Donc, ça va être une nouvelle vidéo toujours par rapport à du City Hunter. Vous l'avez vu le titre de cette vidéo. Donc, ça va être nouveau film City Hunter The Final Chapter Pagans. Donc, c'est parti. Avant de commencer la vidéo, vous savez quoi faire, les amis. Voilà, je vais le petit tratra, la petite routine. Et donc c'est parti pour la vidéo. Alors, donc, les amis, au cas où, c'est pour vous prévenir que c'est un tweet officiel par Crunchyroll FR. Voilà, je précise bien parce que il y aura certaines personnes, il va dire. Oh, est-ce que c'est des vraies rumeurs, des fausses rumeurs, tout et tout? Est-ce que c'est un vrai tweet? Parce que ça peut être un faux tweet, parce que sur Twitter officiel de City Hunter, il n'y a pas ça. Voilà, c'est pour vous prévenir que c'est un vrai tweet officiel par Crunchyroll FR. Donc voilà. Donc les amis, au cas où, si vous êtes fan de City Hunter, restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que voilà, il dévoile le titre du nouveau film City Hunter. Il dévoile des nouveaux goodies par rapport au nouveau film City Hunter et les castings aussi par rapport au nouveau film City Hunter. Donc, c'est parti pour la vidéo. Alors, donc, le nouveau film, donc le titre du nouveau film City Hunter, il va s'appeler City Hunter The Final Chapter Pagans. Donc voilà. Donc si vous voulez, en français, ça s'appelle City Hunter, le dernier chapitre commence. Donc ça veut dire quoi, City Hunter, le dernier chapitre commence? Bah tout simplement, vous allez voir, je vais lire juste une phrase, vous allez comprendre tout de suite pourquoi le nouveau titre du nouveau film City Hunter, il s'appelle Le dernier chapitre commence. Donc voilà. Donc voilà, donc il s'appelle City Hunter The Final Chapter Pagans, donc en anglais. Nouveau visuel pour le film prévu pour 2023. Donc voilà. Et là, bah, vous allez comprendre très vite pourquoi il s'appelle City Hunter, le dernier chapitre commence. Il fera une suite au film d'adaptation de 2019, Shinjuku Privatize, Nickelerson Privatize. Est-ce que vous avez compris? Donc ça veut dire c'est la partie 2 du nouveau film City Hunter Privatize. Voilà, c'est la suite numéro 2, mais c'est la fin. Voilà, c'est la fin de la deuxième partie de Privatize. Voilà, après il n'y aura plus, donc c'est le dernier film par rapport vers les Privatize. Donc voilà. Donc, bien sûr, c'est publié le 2 décembre 2022, il y a 2 jours. Donc voilà, nouvelle photo, voilà, que c'est publié. Donc voilà. Donc, en avril dernier, un nouveau film, City Hunter, Nickelarson, avait été annoncé pour célébrer le 35e anniversaire de l'animé. Le comité de production, pardon, du film a dévoilé cette nuit une nouvelle mise à jour avec de nouveaux noms au casting ainsi qu'un nouveau visuel principal illustré par l'auteur du manga Tsukasa Ojo. Alors, donc, ça veut dire quoi pour les personnes qui ne sont pas au courant? Il y a eu cet été, il y avait l'anniversaire, il y avait l'anniversaire de l'animé de City Hunter, donc c'est 35 ans d'anniversaire. Et pour fêter les 35 ans d'anniversaire de l'animé City Hunter, ils avaient prévu de créer un nouveau film. Mais on savait pas quand, on savait pas c'était l'année 2022 ou l'année 2023. Mais là, c'est sûr, c'est l'année prochaine. Donc voilà. Donc pour les personnes qui ne sont pas au courant, bon, recommandé nouveau film City Hunter, annoncé le 35e anniversaire, voilà. Visuel principal, voilà, la nouvelle affiche. Donc City Hunter Movie, The Final Chapter Pagans. Donc voilà, on voit Ryo Saiba. Donc voilà, alias Nikki. Donc City Hunter, donc 2023. Donc voilà.
casting. Donc voilà, maintenant le casting pour les personnes qui va doubler les voix. Le film signera le retour de plusieurs membres du casting. Le nom des rôles de la VF, donc la voix française, sont entre parenthèses. Donc ça veut dire, bah vous voyez les tout simplement l'animé, l'animé, les anciennes VF, tout et tout. Bah ils vont revenir par rapport à ce film. Tout le monde y va revenir par rapport à ce nouveau film. Donc voilà. Donc, je vais vous dire les noms, si je dis mal, excusez-moi. Donc, il s'appelle Akira Kamiya, il va doubler Ryo Saiba, donc alias Nicky Larson. Kazu Ikura, elle sera doublée par Kaori Makimura et alias Laura Marconi. Donc Yoko Asagami, sera Saiko Nogami. Donc alias Hélène Lamberti, pardon. Et là, après, Tesso Ganda sera doublé par Imi Butsu, donc alias Mammouth. Et Mami Koyama, pardon, sera doublé par Miki, donc alias Mirna. Miki Mirna, pardon. Donc voilà. Et là, il est marqué que maintenant, on va passer aux cartes de cinéma avec support art acrylique. Donc voilà. Donc je vais lire. Et pour les personnes qui se rendront à la Jump Fest dans quelques jours, donc le 17 ou le 18 décembre 2022, il sera possible d'acheter une carte de cinéma possédant l'art tower du nouveau visuel principal avec un support acrylique de Ryo Saiba permettant de recréer cette affiche à l'identique. Donc voilà. Donc ça veut dire si vous venez à la Jump Fest, donc c'est à 17 ou 18 décembre 2022, ben vous pouvez acheter acrylique Ryo Saiba. Voilà, donc ça. Donc voilà. Et donc, maintenant recommandé pour Miyavi relève plusieurs clips de son album reprise d'un anime. Voilà. Donc voilà. Donc on s'emballique un peu. Donc maintenant, la série City Hunter alias Nicky Larson est une adaptation du manga de Tsukasa Ojo, prépublié entre 85 et 91 dans le worklist Shonen Jump. Elle se fait partir des 1500 nouveaux épisodes qui vont prochainement rejoindre le catalogue de Crunchyroll, et cela sera disponible en VO et en VF. L'anime a été diffusé entre 87 et 91 en France, et le manga a été publié au Audition, j'ai lu, avant d'être réédité en édition de luxe par Panini, que je vous ai parlé vers une vidéo précédente, pardon, par rapport à Panini. Donc maintenant, City Hunter The Final Chapter Pegasus est maintenant prévu pour une sortie au cinéma au Japon 2023. Donc voilà, source comique Nathalie. Donc voilà, je vous ai dit toutes les informations par rapport vers le nouveau film City Hunter The Final City Hunter The Final Chapter Begins, pardon, j'avais un petit bug. Donc voilà, moi je vais vous dire qu'est-ce que j'en pense. Ben je trouve que c'est cool qu'ils ont gardé l'esprit faire une suite faire une suite de City Hunter Privatize. Je trouve que c'est sympa. Pourquoi pas, comment dire, pourquoi pas. Et bien sûr, je pense si vous voulez avoir ce goodies, donc une carte de cinéma avec un support acrylique, bah c'est disponible à Jump Fest. Donc la Jump Fest, ça va être 17 décembre au 18 décembre. Donc voilà. Donc voilà. Donc juste ici.
Et puis voilà. Donc ça veut dire ce film. The Final Chapter Begins, il va sortir l'année prochaine en 2023 au Japon. Donc au Japon, on n'a pas une date précise chez nous, donc en France et en Belgique. Donc on ne sait pas. On va dire pour l'instant, on ne sait pas. Mais au Japon, on sait que voilà, on sait que ça va sortir. Donc voilà. Bon bah voilà, bah j'espère cette, bah, je veux pas dire cette petite vidéo, mais cette vidéo un petit peu longue, ça vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Voilà, vous connaissez le petit tratra, la petite routine. Et nous on va se retrouver très vite pour vers une prochaine vidéo pour avoir peut-être des nouvelles informations par rapport au nouveau film City Hunter. Et puis voilà. Allez, c'était Nickelerson FR Manga et nous, on va se retrouver très vite vers une prochaine vidéo. Allez, tchuss!